Hey, coucou à tous les amis, c'est Elo, on se retrouve pour l'épisode 11 de Stardew Valley, donc c'est parti. Alors, on a un courrier. Bon bah écoutez, j'ai quelque chose à te demander, j'ai besoin d'un chou-fleur frais pour une de mes recettes, pourrais-tu m'en apporter, Jody? Eh bah j'accepte, mais ça dépend quand est-ce qu'il te le faut, Jody. Parce que là j'ai des chou-fleurs qui sont plantés, mais hey, ils vont mettre du temps à venir. Eh bah apparemment on n'a pas de temps. Bah écoutez les amis, c'est plutôt bien. Alors, on a une pomme de terre, très bien, on va la mettre en vente. Alors, la dernière fois, on était en mode avec le fer, du coup. Ça, je me souviens. Là, je récupère ça. Je me suis foirée, les amis. Du coup. Alors, on va juste arroser vite fait ça. Alors, la série est quand même pas mal suivie, je suis contente. Je m'y attendais pas, donc c'est plutôt cool. Bon, malgré que la chaîne est devenue vraiment en mode coop avec Yaya, parce qu'on tire tous les deux la chaîne, voilà, il faut se dire qu'il y a des let's play que j'ai commencé, que je vais terminer. Mais au fur et à mesure que les let's play seront terminés, bah, ça se remplacera par des let's play avec Yaya, quoi, tout simplement, les amis. Parce que voilà, c'est le but de la chaîne, c'est d'être vraiment un duo. Donc là, j'ai eu Stardew Valley, bon, je l'ai commencé toute seule et je sais qu'il y a un mode multijoueur, donc on verra dans le futur pourquoi pas avec Yaya si ça le tente. Hein. Bon, en tout cas, je prends du plaisir à faire ce jeu et c'est plutôt sympa. J'aime bien profiter du coup d'arroser le champ pour vous discuter avec vous, quoi, tout simplement. Je sais que j'avais demandé déjà il y a 3 épisodes, je crois, avec qui on devait se marier. Alors j'aimerais bien qu'on choisisse en vrai. Parce que, bah voilà, ça serait cool d'avoir un objectif, quelqu'un à qui offrir des cadeaux réellement dans le jeu pour pouvoir bon, avancer et avoir un gameplay, quoi. Donc, après, on va voir un peu les noms. Et j'aimerais vraiment que cette fois, bah, vous participiez, les amis, parce que j'ai pas envie de décider, en vrai. J'ai envie de faire ce choix-là avec vous. Parce que je trouve ça plutôt cool, quoi, de vous faire participer à mon aventure. Alors, je me suis fail, donc ça c'est comme d'hab. Hello fail au rendez-vous, hein, on va pas se mentir. Donc normalement mes panés au prochain épisode, enfin au prochain épisode, au prochain jour plutôt, donc dans l'épisode, devraient être ramassables, je pense. Donc on va espérer que ça soit le cas pour pouvoir avancer. Alors on est plutôt en mode détente, je tourne cet épisode très très tôt. Mais vraiment, c'est pour ça, c'est cool. C'est tellement reposant d'entendre la petite musique de Stardew Valley que c'est juste adorable. Alors, hop, on va essayer d'améliorer tout ça. Alors, l'objectif arrosoir encore cette fois-ci, enfin l'arroseur du moins, pardon. Donc, j'aimerais mettre au niveau du champ de patates. Essayer de voir comment ça fonctionne. Hop, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir d'arroser sans vous, je vous reprends après. Alors voilà les amis, j'ai fini d'arroser, on va aller voir vite fait si la gamelle du chien a besoin d'être remplie. Et c'est le cas. Alors, on va remplir sa petite gamelle d'eau à mon toutou. Et alors attendez, la dernière fois. Donc ouais, le fer. Bah écoutez, je vais la faire manger rapidement un peu de framboise. Alors voilà, on a mangé quelques framboises, niveau énergie on est bien. On va aller voir notre ami Clint, pardon, pour pouvoir avoir le fer qui nous manque. Je pense pour pouvoir faire cuire tout ça. J'espère qu'on va avoir assez de charbon. J'hésite à repasser à la mine entre deux. Parce que j'avoue que j'ai peur qu'il nous faille plus qu'un charbon. Et vu que j'en ai qu'un. Oh, c'est moi ou on a vu un chat courir? Je crois bien. Je crois bien. Alors, on va passer là. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça va, Elo, t'as de la mémoire un minimum. C'est plutôt cool. Alors, Clint est en haut. Voilà. Le temps d'arroser mes champs, il est déjà midi, quoi. C'est ouf. Non. Acheter. Allez, merci Clint, à la prochaine. Alors, salut Clint. Alors, est-ce qu'on passe Je crois qu'on va passer à la mine, voir si on peut pas avoir un peu de fer. Un peu de charbon, pardon, du fer. À mon avis, le fer est beaucoup plus bas, et vu comment je galère en un épisode à descendre dans cette mine, je doute que ce soit possible d'avoir du fer maintenant. Donc, il vaut mieux faire comme ça. Alors, on va passer là. Tac, tac, tac.
Yes, c'est plutôt cool. Ah, je kiffe la petite musique. Tout, 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 tout. C'est trop bien. C'est trop bien, comme je dirais. C'est trop bien. Et là, ils vont me prendre pour une folle. Ça y est. Vous pouvez le dire. Elo a perdu la tête. Je le prendrai bien. Hop, allez. Ah oui, la guilde des aventuriers, attendez. On va passer là-bas avant. Parce qu'on l'a dans notre truc là. C'est fermé, ouverture 14h. Ok, bon, on va à la mine avant et on viendra le voir après. De toute manière, on a déjà arrosé, donc on est bien. Mon but, c'est pas de descendre pour le coup, c'est vraiment d'avoir du fer, du charbon, pardon. Donc on va juste casser du caillou parce que c'est en cassant du caillou qu'on obtient du charbon. Et comme ça, on aura notre arroseur automatique pour au moins une partie agricole. On a déjà deux charbons, on en a eu un. Allez, s'il vous plaît, il m'en faut encore. Allez, s'il vous plaît, soyez gentil avec moi, merci. Allez, donne-moi du charbon, bon sang. Sacrebleu. Allez. Bon, bah déception. Alors, on va descendre d'un étage encore. Allez, donnez-moi du charbon. Je vous avoue que je comprends pas trop les minerais, à part pour le cuivre, qu'il y en a un qui est vraiment dédié pour le moment. Mais au niveau du charbon, je sais pas c'est quoi le bloc qui nous rapporterait le plus de charbon à casser. Hein. J'ai pas encore compris la logique. Hein. Alors, oui. Hop, on va manger toutes les framboises qu'on a sur nous. Allez. Oh, on a eu une géode. J'avais pas fait gaffe. On ira peut-être l'ouvrir après, tenez. Ah, deux géodes. Oh, nice. Oh, les gens. Ah oui, c'est vrai qu'on avait gagné de l'efficacité sur la pioche. J'avais zappé. Ah, trois charbons. Bon, les gros cailloux m'ont jamais rapporté de fer en vrai. Enfin, de charbon, pardon. Yes, on a tué celui-là. Allez, donnez-moi du charbon encore. Trois, ça, j'ai peur que ça suffise pas. Non, non, toujours pas. My bad. Alors, allez. Il y a encore des cailloux là, on va les casser. Encore des géodes? Bon, bah écoutez, on va passer voir Clint. Sortir de la mine. Avant, on va aller voir à la truc des aventuriers là. Voir ce qui se trame par là. En tout cas, je suis contente d'avoir eu des bottes. J'espère qu'on aura d'autres équipements du coup. Salut, monsieur. Épée en bois, basket, anneau. Anneau de topaz. Ok, donc on peut acheter des choses. Ah, 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 c'est quoi ça? Ah, il faut tuer 1000 slimes, 150, 125 insectes. Donc je suppose que c'est les trucs volants. Et après, il y a plein d'autres animaux qu'on n'a pas encore découverts. Voyez, Gilles, faut récupérer vos récompenses. Ok, donc Gilles, je suppose que c'est lui. Reviens quand tu auras quelque chose à me montrer, gamin. Ok. Déjà, je suis gamine puisque je suis une fille, mais c'est pas grave. Au revoir, monsieur. Pas très poli, celui-là. Allez. On est go, on est go, go. Go, go, gadget. Non, faut que j'arrête. Ah, 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 bah oui, on va passer voir Robin. Tenez. Voir un peu combien ça nous coûte pour réparer, agrandir la maison, etc. Bah, elle est jamais là, Robin. En vrai. Bah, il y a une hache là, c'est pas la sienne. Non, c'est pas celle qu'elle a perdue. Ok. My bad. Alors. Bah, on va retourner à la maison. Vous savez quoi? Et bah, on va faire cuire le fer. Voilà tout. Les arbres, ils ont été coupés là. C'est bizarre. On va descendre. Ah, il y a une fleur. Mince, j'appuie sur la mauvaise touche. Tac, il y a une fleur, on ramasse. Une petite jonquille.
Alors, le prochain anniversaire, c'est qui et c'est quand? Ah, voilà. Donc, c'est l'anniversaire de Shane le lendemain. Alors, Shane, je sais pas ce qu'il aime, les amis, donc il va falloir voir. Va falloir aller voir sur le wiki ce que Shane aime, histoire de pouvoir lui faire un beau cadeau. Et augmenter nos relations amicales, on va dire. Donc, il n'y a rien de réco à récolter ici. Tant qu'on passe dans le coin. Alors, on va à la maison. Donc, les champs ont été arrosés. Il fallait bien 5 fers. Bon. Ça m'a aussi fait qu'un charbon, donc c'est plutôt cool. Donc, ça. Ah, j'ai oublié de passer voir Clint. Alors. Notre arroseur. Alors, comment on s'en sert de cet arroseur par contre? Alors là. Ah, j'ai rien à faire, il va faire nuit. Il faut qu'on attende que ça cuise. Bah, cassons des arbres, écoutez. Hop, on n'aura jamais trop de bois de toute manière parce qu'à mon avis, pour améliorer la maison, c'est ce qu'il va nous falloir. Et j'ai pas encore croisé Robin du coup au magasin, ça m'embête. J'aimerais bien savoir ce qu'il faut pour améliorer la maison. Ou par exemple faire une niche aux chiens, faire des abris pour les animaux et tout parce qu'on a vu qu'il y avait la fermette en bas. Ce serait cool de voir un peu ce qui nous attend pour la suite, quoi. Hop! La hache n'est pas assez solide pour briser la bûche. Ok, ça marche. Ça marche, monsieur. Ah, j'ai pas assez d'énergie. Ah, on a ramassé 4 trucs là que je galère à ramasser à chaque fois. La fatigue vous ralentit. C'est trop bien fait en vrai, les gens. Wow! Ah là là. On n'a rien à manger? Non? On va aller à la maison. Oh my bad. Allez, laissez-moi le temps de rentrer à la maison, s'il vous plaît. On prendra le fer après. S'il vous plaît. Oh purée, comment elle est fatiguée. Ah, les gens, j'adore. Ah, c'est trop fun. Ah, du coup. Bon, on n'a pas récupéré grand-chose en argent, en vrai, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors. Alors, c'est parti pour le jour 2 de l'épisode. Donc, on va faire l'arroseur. En espérant que ça soit pas mal. Cool, le panier a poussé. Donc, on va se ramasser tout ça. C'est plutôt bien. Donc on va passer chez Pierre et bah, on va acheter d'autres panais, je pense. Donc par contre notre énergie n'est pas remontée à fond du coup. J'ai un petit peu couillé, chef, on va dire. Alors, il nous faut du cuivre. Je sais pas du tout comment ça fonctionne ce truc. Ça marche pas, tout ça, ce truc? Donc on va déjà remplir la gamelle d'eau du chien. Je sais pas. Est-ce qu'on l'a pas mis trop assez tôt? Du coup, il arrose pas. Je ne sais pas trop, les amis. Alors. J'avoue que je ne sais pas. Donc je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un des membres. On va essayer de le trouver. On va arroser un peu ce champ-là. Bon. On va essayer de trouver la hache de Robin au prochain épisode, pas ici. Parce que là, j'avoue que je voulais faire l'arrosoir. L'arroseur automatique qui se met pas en route au final. Donc, je sais pas comment ça se passe, j'avoue. Donc, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que, bah, c'est vrai que y a des choses, c'est un petit peu un mystère pour moi, on va dire. Du coup. Parce que là, il est au milieu du champ, je sais pas, pour moi, il devrait arroser, quoi. Je clique dessus. Ça fait rien. Un peu bizarre. On va pouvoir refaire des casse-croûtes aussi. Il faut qu'on agrandisse la maison. Il n'y a pas moyen pour pouvoir avoir une cuisine. Hein. Alors, c'est parti, on va chez Pierre. On va aller voir le forgeron. Pour
pour pouvoir tout simplement bah, vendre ce qu'on a sur nous. Et on va essayer de trouver la personne à qui c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je pense qu'on va lui donner une dent de lion. Je sais pas qui c'est la personne. Donc c'est compliqué. Je me souviens plus. Je crois que c'est Chêne ou. C'est un gosse, c'est sûr. On était passé devant tout à l'heure. Chêne. Donc c'est bien ça. C'est bien Chêne. Je recherche quelqu'un qui pourrait m'apporter 20 minerais de cuir. Ah! Ah bah attendez, écoutez, on va chercher le cuivre à la maison, on va aller voir Clint, hein. Moi je suis chaud, on a ce qu'il faut, on a pas mal de cuivre. Vu que l'arroseur il a pas l'air de fonctionner grand chose. J'ai l'impression que je l'ai fait pour rien ce truc. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui connaissent bien le jeu. Parce que vraiment je serais curieuse de savoir. Donc il en veut 20. Voilà, on a les 20 sur nous. Ça je le laisse, ça aussi. Tout ça c'est pour les casse-croûtes. On a une fleur, on va essayer de trouver Chêne. On va aller vendre tout ce qu'on a sur nous en panier à pierre. On va aller voir Clint. Voilà, on a un objet, on a un pas mal, un bon planning, pardon, pour la fin de l'épisode là, le deuxième jour. Allez, c'est parti. Va falloir qu'on arrive à retourner dans cette fichue grotte aussi, hein. On accepte. Allez, on va aller vendre tout ça à Pierre. Histoire de revoir des panais à planter. Je crois qu'il me manquait deux haricots. Mince, j'ai vendu ma fleur. Je me suis fait. Je voulais la décaler de place. Trois comme ça, je crois qu'il me manquait. Et on va se racheter une trentaine de panais. Ou 40, on est gourmand, histoire de pouvoir avoir une grosse rentabilité tout de suite. Ouais, allez, on va faire ça. Et c'est parti, on va aller ouvrir les géodes et donner le cuivre à Clint. Alors, on va passer par là. On va descendre. Ah, puis j'ai vendu la fleur. Choqué déçu, comme d'hab. Oh, j'ai été bête. Oh, c'est Lewis. Bonjour, monsieur Lewis. Non, c'est Gunter. Gunter, il est pas sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Ah, un truc pour Gunter encore. Ah, j'ai compris pour Gunter. En gros, on peut lui amener qu'une fois les items, je crois. Et en gros, ça complète la quête. What? 10 sur 20 minerais de cuivre collecté? What the fuck? J'en ai 30 sur moi de minerais de cuivre. J'ai loupé un épisode? Les amis, j'ai loupé un épisode ou quoi? Il faut que je les ramasse moi-même là? Mais j'aurai jamais assez d'énergie pour aller à la mine. Oh là, Hello, t'as mal calculé un truc. Ah, c'est Chêne là ou pas? Je sais plus. C'est Alex. Ah, c'est pas Chêne. Les gens, je me suis foirée en beauté. Ah, oh, c'est pas vrai. Allez. Du coup, on va à la mine. Sans énergie. Ouais. Why not? Why not? Non, pas de cuivre. Je crois que c'est ça les insectes qu'il faut tuer. Ouais, bon les gens, on fait demi-tour.
L'épisode de la décadence. Oh my bad. Oh, mais je voulais amener à Clint son truc. Oh, je suis déçue. Faut pas trouver des framboises là? Il y en a plus, ça y est, c'est plus la saison. Les buissons, ils sont tout petits. À côté d'avance, c'est que c'est fini. Alors là, la question du siècle, les amis. La question du siècle. Ah, je suis déception. Ah, j'aurais dû prendre les casse-croûtes sur moi, les garder. Vous voyez, je suis têtue sur ça. Je voulais les garder pour quand j'irai à la mine. Mais là, je suis partie dans la mine. Bon, j'avais prévu d'y aller en même temps. Alors. Celle-ci qui nous restaure de l'énergie. Je vais prendre tout mon cul sur moi. Ah, j'ai encore une géode. Ouais, non, on verra ça après. Alors, attendez. Faire ça. On va retourner voir Clint avec tout le cuivre qu'on a. J'espère que ça va lui suffire. Ceci vrai, j'en ai récolté plein de cuivre. Pourquoi il veut pas? Il manque Clint, hein. Parce que si je dois aller à... J'aurais jamais assez d'énergie pour aller à la mine, quoi. Vous avez vu en 2-2 combien ça a descendu rien qu'en cassant quelques briques? Ah, c'est pas possible ce jeu. Allez! J'ai quand même une géode à ouvrir, c'est plutôt cool ça par contre. J'adore les oiseaux et tout. Ah, c'est bon, ça y est. Ah, oh, du cuivre. Ah, pour les outils, tenez. Arroseur 2000. Et 5 lingots de cuivre. Bah, je parlais à Clint, justement. Ah, tu as apporté les minerais que j'ai demandé, excellent. Laisse-moi voir cela. Je vois, tu peux les garder, ils sont d'excellente qualité. Voici ton paiement. Comme convenu, je suppose. Allez, bye bye Clint, merci. J'ai eu peur là, j'avais récolté pas mal de cuivre, je vais dire, c'est pas possible. Allez, allons voir Gunter. Donner au musée. Je crois que c'est ça, les amis, en gros. Je crois qu'en gros, il faut compléter les lignes avec tous les trucs qu'on peut récolter dans le jeu. Et à partir du moment où on remplit une catégorie, je pense qu'on récupère en gros une récompense, quoi. On va dire. Ah, il y a Willy. Salut, Willy. Ah, il y a Elliot. Salut, les gars. Tant qu'on est là, on va regarder s'il n'y a pas des trucs à ramasser. J'ai vu qu'il y avait un coquillage de l'autre côté. Parce qu'il faut qu'on agrandisse la maison pour pouvoir en gros faire des plats. Pour pouvoir en gros après avoir plus d'énergie. Parce que là, on est un petit peu en galère. Ok. Donc ça se ramasse aussi. Ah, il y en a encore un là-bas. Voilà, on a pas mal de coraux. On va mettre tout ça à vendre. Dans la boîte à la maison, parce que là, Willy est plus à la boutique. Allez, go. On rentre. Elle va rapporter beaucoup, à mon avis, celle-là. Allez, hello. Pour rentrer à la maison, parce qu'il faut aller planter tout ça, il faut aller finir d'arroser. Il faut remonter un peu. Ah, il y a les gamins qui rentrent de l'école. J'ai pas vu Shane par contre.
C'était son anniversaire. Les gens, on n'est pas de bons amis, je vous le dis. Alors. Go par là. Et ça aussi. Et le jour où on aura enfin une cuisine améliorée, on pourra se permettre de faire certaines choses. Alors, haricots là. Là. Il nous en manquera du coup. Un de chaque. Ok. Ça marche. Alors, on va planter tous nos panais. Et ensuite. Bah quand j'aurai planté tout ça, je vais tout arroser les amis, vous savez quoi? Sans vous, parce que bon, c'est un petit peu ennuyeux, on va dire. Avant de vous laisser, je vais refaire des casse-croûtes vite fait, histoire de pouvoir avoir assez d'énergie pour tout arroser. Du coup, l'arroseur, on l'a. Rien de folichon, j'ai envie de dire. Malheureusement, je m'attendais un peu mieux, je vais pas vous mentir. On peut faire qu'un casse-croûte. Je sais pas si avec un seul casse-croûte, on va avoir assez pour pouvoir finir, je vous avoue. Alors, je vous laisse là. Je vais arroser, je vous reprends après. Oh les gens, je suis déçue. J'ai pas eu le temps de tout arroser. Mon personnage s'est assis par terre. Donc je crois qu'on va perdre de l'argent et peut-être des trucs qu'on avait sur nous. Oh my god. On va juste aller voir vite fait le courrier. Ah, l'arroseur marche! Sérieux, il arrose que de ça? Non. Ça arrose juste 4 cases autour? Quelqu'un t'a déposé à la clinique l'année dernière, la fatigue t'a fait perdre conscience. Prends mieux soin de toi et te couche pas, te couche-toi de bonne heure. Je t'ai facturé. Ok. Oh bah ça va, on n'a rien perdu. Oh, d'accord, ça arrose que ça, sérieux? Bon, bah les gens, c'est la déception. Je vous laisse là pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.